Nous avons parlé de la transition écologique et durable. Et donc, nous verrons aussi cet après-midi plusieurs expériences très intéressantes. Et nous aurons, je vais juste vous dire qui sera présent pour vous le rappeler, mais après, au fur et à mesure, nous les verrons de manière individuelle. Donc, est avec nous la Fondation Mater, Cerbeco, Caritas, Genève Roule et l'association NonOps. Et donc, je démarre l'après-midi et je donne la bienvenue à la Fondation Mater, avec qui a été l'idéateur, donc le chef Walter Elnagar, qui est donc chef de gastronomie. Okay, ça fait déjà quelques années qu'il est sur le territoire genevois, qui nous a fait connaître son gastronomie. Mais il est un chef très attentif à qu'est-ce que c'est les concepts des partages et des solidarités. Et grâce à toute une série de projets dont il va nous parler, à nous présenter, nous allons voir qu'est-ce que signifie ce concept hein, de cuisine démocratique. Donc, sans tarder, je laisse la parole à la présentation de Monsieur Walter Elnagar et de son assistante, Madame Rina. Merci. Merci Sabina. Bonjour, je suis Walter Elnagar, le fondateur et le directeur de la Fondation Mater. Je m'excuse pour mon français qui c'est toujours un peu handicapant. Nous avons préparé une vidéo et un par de slides pour vous présenter la Fondation et l'activité que nous avons appelée Commissary Kitchen. Que c'est notre engagement avec la ville pendant la pandémie. Je donne la parole à Rina pour la présentation. Oui, bonjour tout le monde. Clairement, moi, je ne suis pas Walter, mais voilà, je vais faire porte-parole. Et ben, bon, de toute façon, comme il a dit tout à l'heure, le vidéo de 5 minutes est assez explicative. Et après, quelques slides pour voir un peu plus en détail comment ça marche. Donc, à vous. Marzo 2020, le immagini delle code infinite a Ginevra sono tutt'oggi impresse nelle nostre memorie. Più di 3.000 persone, intere famiglie, bambini che aspettano per ore sperando di ricevere un pacco di provviste. Da quel momento in poi non è stato più possibile ignorare ciò che stava accadendo. Queste immagini hanno commosso tutta la Svizzera e oltre, come nel caso del New York Times, che sorpreso da una situazione del genere ha titolato «Un chilometro in fila per cibo gratis a Ginevra». Una delle città più ricche del mondo. Nel 2018 le statistiche nazionali hanno mostrato che una persona su 8 ha dichiarato di lottare per sbarcare il lunario. Quasi il 6% della popolazione si trova in una situazione di povertà materiale e per mancanza di mezzi finanziari sufficienti è costretta ad affrontare condizioni di vita particolarmente difficili. Questa necessità di aiuti alimentari non è dovuta solo alla pandemia. L'insicurezza a Ginevra esiste e le cifre sono preoccupanti. Non si tratta solo di persone estremamente povere, ma soprattutto sono colpiti lavoratori, precari e stranieri. Queste persone e le loro famiglie sono costrette a saltare dei pasti molto regolarmente o addirittura a passare giornate intere senza poter mangiare. La precarietà qui non diminuisce, nonostante il tenore di vita tra i più alti in Europa e nel mondo. È una realtà quotidiana a cui dobbiamo reagire insieme. Prima di essere numeri o statistiche, si tratta di persone. Sono persone come te, persone come me, persone che devono ingoiare il loro orgoglio, che hanno dovuto rinunciare ai loro sogni, al solo scopo di sopravvivere. Proprio qui, a Ginevra. Ma oggi puoi aiutarli. Mi chiamo Walter Elnagar. Nato nel 1981 a Milano, ma tutti mi chiamano MedChef. Cuoco, creativo, autodidatta, attivista e con tante esperienze in giro per il mondo, in cucina e in ristoranti. Nel 2018 ho aperto a Ginevra l'Essentiel Jour, un concetto semplice ma rivoluzionario. 4 giorni di ristorazione gastronomica innovativa e una giornata interamente riservata ai bisognosi, in forma gratuita. La qualità non cambia,
abbiamo solo inserito l'idea di solidarietà e inclusione sociale nel paradigma della ristorazione contemporanea. Tra il 2018 e il 2019 abbiamo offerto più di 500 pasti e ricevuto riconoscimenti da GoMio e Slow Food, nonché una nomination per la Swiss Ethical Award. L'avventura si conclude nel 2020 con la voglia di andare oltre. Quest'anno ho creato Mater, una fondazione senza scopo di lucro. La nostra idea è promuovere l'inclusione sociale attraverso il cibo, favorire l'accesso a un'alimentazione equilibrata per le persone in situazione di precarietà e combattere lo spreco alimentare. Un pasto di qualità è purtroppo un lusso riservato a clienti privilegiati. Vogliamo cambiare questa realtà, offrendo un'esperienza culinaria ma da condividere con l'intera comunità. Vogliamo proporre una cucina contemporanea di alta gamma, per tutti, anche per chi non può permettersela. Un'esperienza sociale e culinaria, locale, stagionale e sostenibile. Con Mater Fondazione cerchiamo di sviluppare la nostra filosofia stabilendoci in una sede fissa, proprio qui a Ginevra. Nel nostro futuro ristorante riceveremo i nostri fortunati ospiti intorno alla cucina aperta, favorendo l'interazione tra clienti e chef. Un ristorante nel cuore della città che può essere un trampolino di lancio per l'integrazione, un luogo culturale ma anche un laboratorio per comprendere e trasformare il modo in cui il cibo viene prodotto e distribuito. Cucina di qualità, produzione locale che rispetta l'ambiente, tenendo conto della responsabilità sociale di tutti, clienti, cuochi e produttori. Attraverso questo nuovo progetto di solidarietà offriremo una ristorazione equilibrata e di qualità, gratuita per i più svantaggiati, 5 giorni alla settimana. È un ristorante d'avanguardia, 2 giorni alla settimana, per la clientela pagante. Ci proponiamo anche di utilizzare questo spazio come laboratorio di formazione, per promuovere l'integrazione, favorendo reali opportunità lavorative, oltre che ad un pasto dignitoso. Questa esperienza unica ci permetterà di dare da mangiare a 10 persone bisognose per ogni cliente pagante, per una stima totale di più di 10.000 pasti gratuiti all'anno. Oggi la Fondazione Mater ha bisogno del vostro aiuto per poter finanziare questo progetto democratico, gastronomico, solidale e culturale. Per la prima volta a Ginevra proporremo una forma innovativa per combattere l'emarginazione e la povertà, favorendo allo stesso tempo l'emergere di futuri chef, il tutto in un contesto culturale e artistico. Il tuo aiuto sarà decisivo. A presto, ciao. Tada. Allora, voilà. Bon, c'est 5 minutes, il est assez dense. Pardon, non. Là, on va vous mettre quelques slides en plus pour juste comprendre ça un peu mieux si c'est la première fois que vous voyez la vidéo. Donc, du coup, comme on a dit, le 2018, on a ouvert, enfin, Walter a ouvert le 5e jour. Le 2020, c'était le début de ce que est la Mater Fondazione. Mais surtout, aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est ce concept de Commissary Kitchen, qui était effectivement une sorte d'innovation face à la situation complexe de la pandémie. Donc, du coup, le terme Commissary Kitchen chez Mater, on l'utilise pour démontrer tout ce qui est les activités d'urgence qui font partie de la préparation et de la distribution des repas gratuits. Comment marche ce système? En fait, ce système est un système avec trois axes, disons. Il y a d'abord la nourriture qui nous vient donner à travers partage, qui est de la nourriture saisonnière, qui est de la nourriture que autrement serait été probablement jetée. Le deuxième axe, c'est les chefs. Donc, les chefs que, malheureusement, à cause du Covid et la pandémie, ils ont été dans le chômage technique. Chômage. Et donc, du coup, ils ont le temps et la volonté de faire du bénévolat. Et la troisième, c'est clairement nos partenaires communautaires, donc les personnes et les associations qui, voilà, comme Hospice Général, comme beaucoup d'autres, ont besoin de... ils s'occupent des personnes qui ont besoin. Donc, pour que ça, tout marche, on a besoin d'une cuisine,
et on en a trouvé pas mal, effectivement. Et donc, du coup, pour vous dire, voilà, quelques numéros, on a eu 20 chefs et 15 cuisiniers déjà qui ont cuisiné pour nous pendant toute cette période. Centaines de bénévoles. Pardon? Centaines de bénévoles. Centaines de bénévoles, parce que justement, il n'y a pas que des chefs et des cuisiniers qui cuisinent, il y a pas mal de personnes dans la brigade, disons, des chefs de la cuisine qui aident à couper les choses, etc. Après, chaque chef avait carte blanche pour le menu. L'idée, ce n'est pas vraiment Walter de imposer son menu, c'était à chaque fois d'avoir quelque chose de très varié, mais de toute façon, quelque chose qui est de très bonne qualité, qui est pratiquement gastronomique, mais voilà, qui peut avoir un prix très réduit. Donc, justement, l'idée, c'est même à des prix très raisonnables, on peut manger super, super bien. Il y a eu un partenaire qui nous a effectivement à côté pendant toute la partie de cette activité, c'est Serveless City, qui était vraiment le soutien logistique et aussi financier de cette initiative. Donc, du coup, parce qu'on aime bien les numéros, ce qui s'est passé en 2020 et en fait jusqu'à maintenant, jusqu'à Commissary Kitchen activité, ouais. On a eu 152 jours d'activité, plus de 28 000 repas distribués aux personnes qui ont besoin, 14 tonnes de produits alimentaires, des ingrédients que normalement ils auraient été jetés. On a eu 6 000 et plus que 6 300 heures de bénévolat. Alors, bénévolat, c'est justement ce qu'on considère comme les bénévoles qui arrivent, mais aussi des stages qu'on a pu effectivement inclure dans ce sens de Commissary Kitchen. Il y a eu 6 restaurants partenaires, 6 cuisines différentes, 39 chefs et cuisiniers ensemble. 6 lieux de distribution et aussi une dizaine de partenaires communautaires. Donc, c'est les chiffres qui parlent seuls. C'est assez impressionnant. Après, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, du coup, les terrasses, ils sont ouverts. Les restaurants, ils vont bientôt ouvrir. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, pas du tout. Ce qui va se faire, c'est, comme il le disait dans la vidéo, l'idée, c'est d'ouvrir un lieu qui est fixe, un lieu qui est donc, c'est pas une cuisine qui nous prête d'ici et par là, mais c'est un lieu fixe qui, on va appeler Réfectoire Genève, et va être ouvert. Donc, ça, c'est la nouveauté vraiment de quelques jours. On a fait l'annonce. Où c'est vraiment l'idée d'une sorte de tremplin d'insertion. L'idée, le concept est que 5 jours par semaine, donc pour le déjeuner, il y a des clients payants qui vont pratiquement financer les 5 dîners par semaine de différentes personnes qui ont besoin. En plus de ça, ça va être vraiment une sorte de tremplin d'intention, soit de formation, donc formation des nouveaux chefs, etc., soit aussi un lieu un peu culturel où vraiment l'idée, c'est l'intégration sociale entre les gens qui ont besoin. Donc, en fait, c'était tout qu'on a fait. Bravo, Arina. Ouais. Merci. Je suis allée peut-être trop vite, mais vous me dites s'il y a plus de questions. Les questions, c'est pour moi. Ouais. Avec mon français un peu ici. Bah. Je suis ici. Très heureux de répondre. Merci beaucoup, Bhattara Nagar. Merci, Arina, pour cette présentation. C'est vraiment un exemple de capacité de rapidement pouvoir réagir face à la situation critique dans laquelle on s'est retrouvé, dû à la crise sanitaire. Et comme vous dites, là, j'ai vu qu'il y a cette association qui s'appelle Food for Soul, donc c'est-à-dire la nourriture pour l'âme, sur un besoin qui est fondamental. Et on s'est retrouvé vraiment à Genève dans la situation dans laquelle il y a eu tous les besoins de base qui n'étaient pas couverts.
Et donc, et qu'est-ce que je comprends à partir de là? Donc aujourd'hui, vous êtes, vous allez ouvrir donc les réfettorios, hein, comme il va s'appeler. Et là, signifie nous sommes à nouveau dans un contexte dans lequel on a l'inclusion sociale, on a l'insertion sociale. Et là, il peut y avoir aussi un aspect d'insertion professionnelle. Le moment que vous avez une structure fixe, vous pouvez nous en dire quelques mots de plus, merci. Exactement. L'idée, à la base des cinquième jour avant, de la Fondation Mater maintenant et du réfectorio à partir de décembre, c'est d'offrir une insertion au travail et à la gastronomie pour des gens qui sont en difficulté et il n'y a pas accès à forcément à un niveau gastronomique haut, élevé. Et nous, notre programme d'insertion, ce n'est pas de cuisiner des burgers ou de faire des choses simples, mais c'est de donner une expérience à un niveau international pour peut-être découvrir des talents, des personnes que... C'est pas juste un travail, mais c'est une carrière, une profession. Très, très intéressant. Géraldine, est-ce qu'il y a des questions qui viennent du chat? Alors, oui, tout à fait. J'ai une première question de Yann Grand. Pour Genève Roule. Alors, Yann Grand qui s'adresse donc à la Fondation Mater. Est-ce que l'adresse du restaurant est déjà définie? L'adresse du restaurant, c'est rue de Lyon, 112, un développement qui s'appelle Quartet. C'est en face de l'université La Haye. Le nom de la fondation est Mater, qui c'est la mère ou maman en latin. Et c'est un hommage à ma mère qui est malheureusement morte. C'est déjà 2 ans. Et. Bah, en français, c'est un peu difficile pour moi pour expliquer, mais basiquement, elle est morte pendant que j'ai travaillé à mon restaurant le cinquième jour et je n'ai pas presté beaucoup d'attention à la situation de ma mère et j'ai pensé de faire un hommage. Peut-être que ce n'est pas un grand hommage, là, ça ne change rien du tout, mais c'est une chose de mes corps ici pour ma mère. C'est ça l'idée, Mammarina. Et les budgets pour réfectorio, il y a un budget d'aménagement architecturel et d'intérieur que c'est presque 1 million de francs aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de partenaires genevois, très grandes familles, des banques, vous pouvez imaginer. Et après, il y aura un budget annuel que j'espère que la ville et les cantons peuvent soutenir un minimum du budget. Ben, l'idée de base de la fondation, c'est d'avoir un restaurant solidaire durable. Durable aussi économiquement. Le budget opérationnel, et notre idée, c'est autosuffisant avec la clientèle payante. Mais pour démarrer, nous avons besoin de 1 million de francs et nous sommes déjà à 400 000 levés. Je pense que ça va aller très bien parce que les moments sont très sensibles avec la pandémie. Il y a beaucoup de problèmes qui sont très évidents pour tout le monde et c'est difficile de dire que non. Voilà. Très bien, merci. J'ajoute juste une remarque. Oui. Vous disiez un hommage à la maman. Ouais. Ça m'a rappelé vraiment l'histoire du musée Ariana, en fait. Ariana, c'est la maman du fondateur. Ah, ouais. Magnifique. Oh, Ariana, c'est la famille Rive, justement. Voilà. Ok, je vais chercher. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Walter Nagar, et merci, Irina, pour cette présentation très intéressante, très stimulante, et surtout pour l'action qui est menée sur le canton de Genève. Moi, je vais, donc, nous sommes
obligé d'être dans un temps très précis afin de pouvoir avoir toutes les interventions. Donc, moi, je vais maintenant passer la parole à M. Bernard Giraud des Serbeco, administrateur et président des Serbeco SA. Serbeco est né en 1977 et M. Giraud est également administrateur des différentes sociétés, en sachant que voilà, la société Serbeco est une entreprise privée, mais en même temps très attentive à l'aspect, à la solidarité, à l'inclusion, à l'insertion professionnelle et au développement durable. Et donc, je passe la parole à M. Bernard Giraud. Nous allons mettre insertion sociale, c'est l'insertion. Merci. Nous sommes en train juste de mettre la présentation afin que M. Serbeco puisse... Merci pour votre introduction. Je vais peut-être commencer pendant que vous réglez les petits problèmes techniques. Oui, il ne manque jamais. Merci, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc oui, je m'appelle Bernard Giraud, donc je suis le propriétaire de l'entreprise et du groupe Serbeco. J'ai repris l'entreprise Serbeco en 1991. Elle était fondée en 1977. En effet, je l'ai reprise en 1991. Et puis, avec l'équipe de Serbeco et notre famille, on a développé un groupe qui est actif, vous le verrez dans la présentation, si elle arrive, dans différents domaines. Donc, moi, je suis aussi administrateur d'autres sociétés. Au sein de nos entreprises familiales, j'ai été aussi, et c'est assez un petit clin d'œil, administrateur de l'Hospice Général pendant un certain temps. Maintenant, je suis à la Banque cantonale genevoise, où je représente le Conseil d'État. Je suis aussi vice-président du CARE, ce qui explique un peu cela, finalement, par rapport à ma présence ici. C'est vrai qu'au niveau familial, mes parents ont toujours été proches, bien que d'un milieu universitaire relativement aisé, mais très, très proche de tous les problèmes sociaux de société. Mon père était professeur de sociologie en plus, donc proche de Caritas aussi. Et donc, voilà, nous, on se retrouve un petit peu en famille ici autour de cette présentation pour expliquer pourquoi finalement. Donc, il faudrait peut-être commencer par le début, si c'est possible. Voilà, donc moi, nous, on travaille en famille. Moi, je suis atteint par l'âge de la retraite, mais ça fait déjà depuis l'âge de 57 ans que j'ai remis la direction générale à mon fils aîné. Et puis, j'ai 4 enfants, 8 petits-enfants, mais il y a 3 de mes enfants qui travaillent dans la société à des responsabilités diverses. Et donc, c'est plutôt assez chouette au niveau de l'entreprise. Voilà, donc on est en train d'arriver. Présentation, donc je vais vous montrer la slide numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, celle-là, voilà. On n'arrive pas à mettre le plein écran, mais bon, on va se débrouiller comme ça. Donc, le groupe Serbeco, au départ, donc voilà, merci. Quand j'ai repris ça en 91, il y avait 3 vieux camions et 3 chauffeurs. On faisait le verre pour la ville de Genève, quelques mènes de chantier, etc. Donc, on a développé, en 1991, c'était le début du recyclage. On s'est développé en même temps que le recyclage se développait. Ou, citer un chiffre, en 1991, on avait un taux de recyclage à Genève qui était à peine en dessus des 10%. Aujourd'hui, on est à 50, puis on a une ambition du Conseil d'État d'arriver à 60% de taux de recyclage. Donc, toute cette évolution fait que l'entreprise s'est développée. Elle s'est développée par quelques rachats, mais surtout d'une manière organique, c'est-à-dire en créant. Donc, on est associé et partenaire d'environ une dizaine d'entreprises, principalement à Genève, mais également en Suisse romande et en Suisse, pour des questions de synergie avec l'activité, synergie d'activité avec nos entreprises. Donc aujourd'hui, en 3 personnes en 91, aujourd'hui on est 145 collaborateurs. Donc Serbeco, vous avez les chiffres ici, on transporte 80 000
tonnes de déchets, on en traite 60 000 tonnes. Il faut savoir qu'au Chenevier, c'est 160 000 tonnes. Donc, ça veut dire qu'à l'usine d'incinération, ils ont seulement le double de déchets que nous, on traite. Donc, on a des installations très conséquentes. On est sur une surface de près de 3 hectares au Bois de Baie, dans la zone industrielle de Satigny. Et puis, on recycle 76% des déchets qui viennent chez nous. Il y a une quinzaine d'années, avec une amie, j'ai créé Prop. C'est une société de nettoyage. On nettoie principalement dans les communes, aussi des bâtiments administratifs, des banques et des choses comme ça. Mais on est très connu pour les manifestations. On est assez champion régional de la manifestation. Autant vous dire que ça fait bientôt une année qu'on ne travaille plus. Mais on tient le coup. On a conservé nos équipes. On fait aussi pour les manifestations depuis 3 ans la commercialisation, la location, le lavage des gobelets pour manifestation. Quand vous êtes dans une manifestation à Genève, que vous avez des gobelets consignés, c'est nous qui nous en occupons. On a une laverie, une usine de lavage à Vernier. J'ai bien dit ça. Et puis, ça c'est l'activité, je dirais, nettoyage. Puis, on a une activité énergie où on vend de la plaquette forestière et des pellets pour les chauffages au bois. Ça, c'était nos premières activités. Et finalement, on est devenu gestionnaire de chaufferie au bois. On s'occupe de l'installation, par exemple, de Carfini. On a créé une société anonyme en partenariat public-privé avec la commune de Confignon pour chauffer tout le centre de village avec un réseau, avec un chauffage au bois également. Et puis, on a des projets comme ça. Donc, on fait en fait du contracting et des projets globaux intéressants. Pour terminer, vous voyez qu'on est certifié Bicorp. Pour ceux qui connaissent, c'est la certification la plus proactive en termes de développement durable qui existe au monde. Il y a très peu d'entreprises en Suisse qui sont certifiées. Il y en a quelques-unes, notamment à Genève, une banque Lombard-Odier, par exemple, mais d'autres plus petites entités comme nous. Et puis ça place, disons, le niveau de certification en termes de développement durable à un très, très haut niveau. Je passe sur les certifications autres, plus administratives, comme ISO et compagnie, mais les corps, on en est très fiers. Slide suivant. Voilà. Bon, vous pouvez passer là, parce qu'il est déroulant. Donc, on a communiqué très longtemps, pendant une quinzaine d'années, comme étant Serbeco acteur du développement durable. Et puis ça, c'est comme tout le monde est acteur du développement durable aujourd'hui, mes enfants ont trouvé un nouveau slogan, un nouvel objectif. Ils ont créé un objectif 2030, où on veut aller en 2030, et puis avec un leitmotiv qui est « Rendre Genève plus durable ». Suivant. C'est un peu ambitieux. Et puis pourquoi? Donc, on va arriver à la problématique de les trois piliers du développement durable, économique, environnement et social. Alors, je vais m'attarder, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur le social. Donc, en voyant la photo de droite, vous imaginez qu'on a aussi beaucoup de travaux qui demandent de la main-d'œuvre. Et puis, depuis 20 ans, plus de 20 ans, on travaille avec des prisonniers qui étaient d'abord des semi-libertés et ensuite qui sont maintenant des fins de peine. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de monde autour de cette conférence, là, en photo ou pas. On ne sait pas si les uns et les autres n'ont pas été en prison, mais en fin de peine veut dire que c'est des gens qui sont tout à fait libérés qu'ont fait leur peine. Et souvent, ces gens, ils n'ont pas de papier ou ils ont besoin d'une réinsertion et d'être accompagnés. Donc, depuis 20 ans, on a d'abord travaillé avec les semi-libertés et puis ensuite avec les fins de peine. C'est-à-dire qu'on a un atelier protégé avec une dizaine de,
de collaborateurs. Ces collaborateurs, ils sont encadrés par un maître socioprofessionnel qui est relié avec les services de probation, réinsertion du département de justice et police. Donc, ils ont un bureau chez nous et leur informatique est reliée à l'État et ils suivent et ils encadrent les collaborateurs fin de peine donc, dans notre entreprise, principalement au tri des déchets, mais également à des travaux de machinistes. Donc, ces gens, ils sont encadrés, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, on les mettait comme ça, c'était à nous de nous débrouiller. C'était un petit peu un peu difficile. Maintenant, depuis qu'on a un maître socioprofessionnel là, qui est chez nous, qui est payé à moitié par nous, à moitié par le service de probation et réinsertion, ça marche très, très bien. Donc, ça veut dire quand il y a besoin d'un encadrement, par exemple, ou d'une visite chez un médecin, etc., il y a un remplacement immédiat, ou il y a une organisation avec le contremaître, etc., et ces gens, ils peuvent aller à leur rendez-vous. La grosse particularité, et pourquoi ça a tenu 20 ans et puis que ça fonctionne très, très bien, c'est que depuis le début, ces gens sont payés normalement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention, si ce n'est le bitant du maître socioprofessionnel, compensé par le fait qu'on lui met un bureau à disposition. Mais ces gens, ils sont payés selon les conventions collectives de travail. Nous, on reçoit une facture de l'atelier Feu Vert, qui est une branche de l'insertion de l'approbation de justice et police. Et on connaît ni le nom, ni le passé de ces collaborateurs. Donc, c'est un gros avantage. On n'a qu'une exigence, c'est qu'on ne veut pas des meurtriers et des violeurs. C'est tout. Tout le reste, c'est de la responsabilité du département. Alors, c'est des gens, on ne connaît pas leur passé et on nous facture des heures. Mais on les connaît très bien. Et ils participent entièrement à la vie sociale de l'entreprise. Ils sont habillés avec les vêtements de l'entreprise et non ceux de l'État. Ils participent à toutes nos fêtes. On connaît très, très bien leurs prénoms, etc. Et puis, on a un rapport très, très bien avec eux. Il y en a qui restent quelques semaines. Il y en a qui restent quelques mois. Et puis, il y en a qui sont là depuis le début. Et s'ils sont là depuis le début, c'est qu'ils ont été engagés chez nous. Donc, quand on fait visiter notre entreprise, les gens sont très étonnés de voir qu'il y a des énormes machines qui sont sur le site, des grosses pelles mécaniques et tout, et la plupart sont conduits, comme nos camions, beaucoup sont conduits par des anciens détenus. Donc, c'est une vraie réinsertion, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du travail, on découvre les personnes qui ont envie. On les met sur des élévateurs, des petites machines, des plus grosses, etc. Et puis avec le contremaître, le maître socioprofessionnel et nos contremaîtres, on découvre des talents, de véritables talents qu'on forme pour continuer leur travail dans l'entreprise. Donc, ça crée des liens et surtout des attaches avec ces gens-là qui sont extraordinaires. Et puis, ceux qui s'en sortent très, très bien. Alors, c'est assez facile parce que malheureusement, il y a un réservoir très important de détenus en fin de peine. Mais donc, égoïstement, on a beaucoup de réservoirs, mais ça permet quand même d'en sortir un certain nombre. Soit ils repartent dans leur pays après leur probation, soit ils sont engagés chez nous ou dans d'autres entreprises. On a commencé la même chose avec les migrants. Parce que au Bois de Baie, donc au bord du Rhône, à Satigny, on a eu un camping, le camping du Bois de Baie, qui a été transformé par moitié par un logement, des logements pour des familles de migrants, par le ski général. Et puis la commune de Satigny était inquiète par cette venue. Et puis nous, on a collaboré avec l'association de la zone industrielle et quelques entreprises. Et puis, j'ai proposé de faire le lien avec entre l'hospice et les migrants. Et on a eu la chance à l'hospice d'avoir un maître socioprofessionnel qui était très motivé, ce qui fait qu'on a commencé à intégrer des migrants. Là aussi, avec une seule gratuité pour les entreprises, c'est une période d'essai de 2 semaines. Donc, le gros avantage aussi, c'est que c'est très professionnel parce que c'est pas directement l'hospice qui nous met le migrant à disposition.
c'est l'entreprise de travail temporaire dont l'hospice est actionnaire. Certains d'entre vous me rappelleront le nom. Je me rappelle plus. Bref, donc c'est très professionnel, c'est très cadré et tout ça. Et puis, on a eu un succès important. Il y a déjà 6-7 migrants qui ont été engagés définitivement dans les entreprises du Bois de Baie. Nous-mêmes, Serbeco, on en a 3. On a aussi créé une nouvelle société Rive Gauche, proche du centre des migrants d'Anières, pour une société de service pour les 12 communes de la Rive Gauche. En association avec notre collègue Palermo Transport, on a créé Mobilitri SA, qui est une déchetterie mobile. Mobilitri SA, elle a employé tout de suite 3 personnes, dont il y a 2 anciens apprentis recycleurs qui ont été formés dans les entreprises des recycleurs de Genève, compris le LEED, et un migrant qui nous a été proposé par le foyer d'Anières et qui a été intégré dans l'équipe. Ce migrant, il a fait plusieurs stages dans les communes. Et puis, il est vrai que les techniciens des communes nous ont fait l'éloge de ce migrant. Et il fait partie maintenant totalement de l'équipe. Il a quitté le foyer quasiment immédiatement. On l'a aidé à trouver l'hospice l'a aidé à trouver un logement. Et lui et sa famille, ses 2 enfants, sa femme habitent maintenant dans la région de Champel. Et les enfants vont à l'école et tout. Donc voilà, un migrant qui est totalement intégré et qui nous donne entière satisfaction. Et puis, justement, en termes d'image, quand on a présenté ça aux communes, etc., évidemment que pour nous, il y a eu un retour d'image qui était excellent. On a aussi des chômeurs en fin de droit. Donc, je me suis un peu attardé sur la réinsertion professionnelle, mais pour dire que sans profiter, sans subvention, sans rien, on découvre des talents et puis tout il trouve son compte. On est aussi entreprise formatrice, actuellement c'est 7 apprentis, dans les différents métiers qui sont recycleur, chauffeur poids lourd, employé de commerce et agent de nettoyage. Vous avez passé bien vite, j'aimerais bien revenir à la slide précédente, vous voulez me faire aller plus vite peut-être. Donc voilà, après je passe au tout l'engagement social, suivi médical, santé au travail, vous imaginez bien qu'avec le Covid, nous, on ne peut pas s'arrêter, hein, parce qu'on ne peut pas arrêter d'enlever les déchets dans les rues et puis de les traiter, donc, parce qu'autrement, on va se retrouver avec une décharge. Donc, on a dû s'organiser aussi pour assurer la continuité. Et puis, on a aussi des jobs d'été, le télétravail, des temps partiels, avant son salaire administratif. Voilà, c'est là le suivant. En termes d'environnement, je passe rapidement. Donc, vous voyez le genre d'installation qu'on exploite en dessous, qui est un centre de tri. On veut rendre Genève plus durable. Et on pense qu'on arrive à se développer en étant une entreprise normale qui se comporte familiale, normale, régionale, et puis qui se comporte correctement. On voit qu'on peut se développer. Et puis, donc, l'environnement fait partie du intégrant. Vous avez ici en haut un camion. C'est le premier camion en Suisse entièrement électrique qui fait la baie des containers enterrés. Et puis, on a les toits photovoltaïques. Je passe rapidement, c'est pas le sujet du jour. On peut passer. Notre objectif est d'être là pendant encore 30 ans, puis de pouvoir passer le témoin à la génération qui arrive derrière. Ça, c'est un de mes fils qui est directeur commercial qui le dit. Et puis, passer à la slide suivante. Donc, je vous remercie de votre attention et je réponds volontiers à vos questions. Je vous remercie beaucoup, M. Giraud, pour cette présentation, que ce n'est pas seulement une présentation, mais c'est vraiment un engagement de votre société. Hein. Je crois que rendre Genève plus durable, ce n'est pas seulement un slogan chez vous, hein, mais c'est quelque chose qui se transforme en action. Et puis, toujours avec cette attention de la part de votre société pour la responsabilité sociale et donc l'inclusion et l'insertion professionnelle. Ce n'est pas Géraldine, si nous avons encore une minute pour une question qui vient du public.
Alors, il y a une réaction déjà dans le chat, Aliki Buayer, qui note absolument exemplaire, votre entreprise est absolument exemplaire et remarquable, monsieur Giraud. Quelle énergie et volonté communautaire, la cohésion sociale, c'est grâce aux engagements de personnes comme vous. Bravo et sans aucune subvention. Voilà. Ouais, merci pour cette remarque. Mais quand les gens auront compris qu'on peut développer très très bien une entreprise en équilibrant les trois piliers du développement durable, d'abord c'est très satisfaisant, et puis économiquement c'est intéressant. Et alors, cette personne, évidemment, elle nous fait des éloges. Notre gros travail maintenant, c'est depuis 20 ans, c'est de faire comprendre aux services publics qui lancent des appels d'offres publics que c'est très important qu'ils adjugent pas au meilleur marché et que le facteur prix ne soit pas à 60 ou 70%, mais à 20 ou 25% pour que les autres facteurs tels qu'on a présentés soient pris en compte. Et ça, c'est le développement d'une société qui est vraiment dans le développement durable. Mais figurez-vous que les mêmes départements et les mêmes services ont des fonctionnaires qui prônent le développement durable et puis d'autres qui lancent des appels d'offres complètement ridicules qui nous font mal au cœur, quoi, parce que finalement c'est un contresens que les mêmes services donc aient la même attitude. Donc ça, Thomas Putala qui nous écoute, qui connaît bien tout ça, ça c'est encore un peu navrant. Il y a encore un décalage entre le discours politique et puis la réalité des choses. Mais ça progresse beaucoup. Et nous, alors égoïstement, on se développe avec ces trois piliers équilibrés. Et puis on fait pas du social, on fait du développement durable et on en tire le bénéfice. Merci beaucoup, Monsieur Cerveco. Giraud. Géraldine, moi, je passe directement au prochain. Donc, s'il y a d'autres questions, on les laisse pour la fin des interventions. Donc, maintenant, nous passons aussi à un autre thème qui nous intéresse particulièrement. Et sera Monsieur Dominique Fradevaux, hein, sociologue de formation et puis post-grade en études du développement, qui est président des Caritas romandes, des Caritas de Genève, et qui est président de l'association Canton Zéro Chômeur. Et c'est le thème dont il va nous parler aujourd'hui. Effectivement, c'est ce projet du Canton Zéro Chômeur. Donc, la parole est à vous, Monsieur Fradevaux. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous voyez la présentation. Ça va très bien. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci Bernard. Hein, donc il se trouve que j'ai étudié avec ton papa, hein, tu le sais, et qu'on a beaucoup discuté justement sur ces enjeux des entreprises selon les critères du développement durable. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Comme vous l'avez dit, Sabine, je crois que c'est aussi mon excellent collègue Camille Kunz qui est intervenu ce matin, qui a déjà présenté un peu le travail de Caritas en matière de formation-insertion, hein, et le côté entreprise sociale et solidaire de Caritas. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est une réflexion commune qu'on a eue au sein de l'ensemble des Caritas de Suisse romande et qui nous a amené à travailler sur un chaînon qui est encore trop faible et qui est parfois totalement manquant dans certains cantons, c'est l'interface entre le secteur professionnel d'insertion ou les entreprises sociales et solidaires et le premier marché du travail, ou l'interface aussi entre les institutions qui distribuent l'assistance et les opportunités de trouver des emplois. Donc, nous avons pris conscience depuis longtemps de la problématique, mais elle a été aussi confirmée lorsque, suite d'ailleurs à des motions que Caritas avait lancées dans toute la Suisse pour que soit publié dans chaque canton
des rapports sur la pauvreté pour qu'on ait plus que des statistiques très générales pour la Suisse, mais qui n'étaient jamais représentatives pour chaque canton. Nous avions demandé de documenter l'évolution de la pauvreté en Suisse, non pas pour contempler les statistiques, parce que comme l'a dit Walter tout à l'heure de la Fondation Mater, c'est des personnes qui sont derrière les statistiques, et que le but c'était de prendre conscience de l'évolution, mais surtout de développer des stratégies pour ouvrir des perspectives aux personnes concernées par la pauvreté. Un des phénomènes qui se constate dans tous les cantons, eh bien, c'est le chômage de longue durée. Il se développe dans toute la Suisse, il était peu documenté, pas thématisé jusqu'ici, et on estime qu'il n'y a toujours pas de réponse politique et pratique satisfaisante à cette question. Il y a des initiatives heureuses, on vient d'en voir plusieurs, mais beaucoup trop de personnes souffrent de l'absence de perspective et voient leur situation se dégrader, donc sans porte de sortie. On a commencé donc par un travail de plaidoyer. Je vous donne ici les grandes étapes. Ça fait partie aussi d'un cours que je donne à la Haute École de Travail Social. Avant de plaider une cause, il faut bien documenter le problème, en faire un thème sur la place publique, en consultant bien sûr toujours les personnes concernées par rapport aux perspectives alternatives qu'on pourrait envisager. Travailler après, en fonction de ces orientations des personnes concernées, à élaborer un modèle alternatif, puis viennent ensuite les étapes de communiquer sur ce modèle, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tout en l'expérimentant localement avec divers partenaires, c'est ce qu'on va faire dès l'année prochaine, et je vous expliquerai un peu comment, et veiller bien sûr à une amélioration continue. Voilà un peu les bases du travail de plaidoyer. Nous, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'élaboration de ce modèle alternatif et sur quel constat il se place. Alors, dans le travail de documentation, il y a déjà deux documents que vous trouvez ici. Je vous donnerai ensuite l'adresse d'un site internet où on maintient une actualité sur ces questions. On publie aussi maintenant un bulletin avec l'association Canton Zéro Chômeur de longue durée. Mais les deux premiers documents qu'on a publiés, ben c'était tout d'abord un de nos Caritas Magazine romans qui comprenait notamment plusieurs témoignages de personnes concernées qui expliquaient un peu nos démarches, et puis un document qui permet de faire le tour de la question d'établir un certain nombre de constats et d'esquisser les défis à relever. Donc, voilà quels sont les constats qui ont été étayés. Je vais au plus simple, mais vous trouvez ce document qui est maintenant labellisé « Canton zéro chômeur de longue durée » sur le site où vous aurez la référence tout à l'heure. Le premier constat, c'est le fait que les définitions du chômage sont très différentes selon les statistiques qui sont publiées. Les statistiques du secrétariat à l'économie ne sont pas les mêmes que celles que la Suisse remet par exemple au Bureau international du travail, alors l'Organisation internationale du travail. Et donc, il y a beaucoup de confusion sur l'ampleur du chômage. Et donc, le constat, c'est que finalement, la Suisse n'est pas le pays du plein emploi que l'on croit, si on se base seulement sur les statistiques les plus courantes. Et puis, il y avait peu d'estimation du nombre de demandeurs d'emploi qui sont au bénéfice de l'aide sociale en Suisse romande, mais des gens qui sont et à l'assistance, mais qui restent demandeurs d'emploi, qui ont la volonté de chercher un travail et qui se trouvent privés durablement d'emploi. C'est pour nous l'expression qu'on ressort, des gens qui se heurtent à un mur par rapport à l'accès à l'emploi. En Suisse romande, c'est 11 000. On a vérifié avec chaque institution répondante de l'aide sociale dans les différents cantons. En Suisse, ce serait autour de 3 000. C'est bien sûr des chiffres qui varient, qu'il faut actualiser. Deuxième constat, la croissance économique ne suffit pas à offrir des perspectives à nombre de ces personnes, en dépit des places vacantes sur le marché du travail, parce qu'il y a des obstacles.
Et les principaux obstacles, c'est que les sélections sur le marché de l'emploi font parfois, en fonction de différents critères, des personnes sont triées selon leur origine, selon le sexe, selon aussi leur éloignement durable de l'emploi, et typiquement les personnes qui sont privées durablement d'emploi, a priori on les considère très souvent comme inemployables. Donc c'est fort de ces constats qu'on a fait deux prises de position qui sont argumentées dans ce document. C'est que en général la réinsertion table sur des circuits externe aux entreprises. On a eu justement un excellent exemple avec Serbeco, inverse. Serbeco a institué un circuit interne aux entreprises et ils font la preuve que la réadaptation en emploi est possible en emploi. Et même certains auteurs qui ont beaucoup étudié la question de l'insertion soulignent le fait que les meilleures chances de réinsertion ne sont possibles que si on le fait dans des situations d'employabilité les plus ordinaires possibles. C'est pour ça que même dans les circuits de l'économie sociale et solidaire, on tend, nous en tout cas à Caritas, à se rapprocher le plus possible des conditions d'emploi en entreprise ordinaire. Deuxième constat qui est une affirmation, hein, c'est une hypothèse forte, mais qui vient de consultations que nous avons faites auprès des personnes concernées, c'est que la plupart ne se considèrent pas comme inemployables et on peut faire la preuve dans certains cas que justement, à partir du moment où on aménage des ouvertures, eh bien, les gens ont des savoir-faire à offrir qui sont trop peu reconnus et que ne mettent souvent pas en valeur leur curriculum vitae, qui sont en général plein de trous et qui sont un des éléments de disqualification dans leur parcours. Il y a des besoins qui existent. Dans le cadre du MISO, plusieurs intervenants ont mis en évidence la transition écologique, la transition numérique, toute une série d'enjeux actuels du développement durable et de besoins concernant le lien social, le care, le soin aux personnes, font qu'il y a des besoins qui existent, qui ne sont pas toujours couverts par l'économie privée parce qu'ils sont aussi difficiles à être rentables. Il faudrait peut-être changer les conditions pour que ça le soit. Mais il y a des moyens disponibles pour créer des emplois adaptés si on ose expérimenter un nouveau modèle. Cela a été fait en France avec Territoires zéro chômeur de longue durée qui sont partis sur l'idée d'activation de la dépense passive de l'assistance dans certains territoires et qui ont mis ces moyens pour les personnes concernées au service de l'accès à des emplois, soit dans l'économie sociale et solidaire, soit dans des entreprises à but d'emploi créées pour cela, soit alors, bien sûr, dans des intermédiations vers l'emploi. Donc, à coût constant, il est possible d'utiliser des financements qui sont là pour financer l'assistance, pour financer davantage l'emploi. Et c'est ce qu'on va discuter sans, bien sûr, mettre en danger le droit à une protection sociale en cas de grande difficulté. Ça, c'est absolument clair et c'est des réflexions que nous menons tout à fait ouvertement avec nos collègues de l'Hospice Général. Le modèle qui fait l'objet d'aspirations qu'on a un peu testé au niveau des finalités qu'on a fait tester par les personnes concernées, c'est qu'elles demandent que leur potentiel, les personnes qui sont privées durablement d'emploi, eh bien, soient mieux reconnues, et notamment les savoir-faire qu'elles maîtrisent. Elles n'ont pas toujours des diplômes. Plus elles avancent en âge, moins elles ont l'occasion de faire des formations longues. Pour les personnes jeunes, on favorise des formations longues, on plaide pour cela au sein de Caritas, mais pour les personnes qui avancent en âge, ben parfois elles ont cumulé de nombreuses expériences qu'elles souhaitent faire valoir sur le marché du travail, et à cause des dynamiques disqualifiantes, eh bien, on reconnaît peu ce potentiel. Et on sait que parfois il est nécessaire d'adapter quelque peu les emplois dans le cadre d'une approche inclusive que je définirai un peu plus tard, mais qui suffirait en fait de bouger 1% du marché de l'emploi en Suisse.
avec des emplois adaptés aux personnes et pas seulement adaptés au travail, en tout cas à des offres d'emploi prédigérées qui ne correspondent pas toujours au travail attendu. Quand dans une entreprise comme Serbeco, eh bien, l'atelier d'insertion se fait à l'intérieur de l'entreprise, ils savent très très bien quel est le travail prescrit dans l'entreprise et quelles sont les activités attendues. Et donc, il y a un matching qui se fait immédiatement. Quand il y a plus de distance, eh bien, il faut de l'intermédiation pour rendre possible l'appariement de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Donc, une des priorités que nous avons discernées avec les personnes concernées, c'est le besoin d'une agence d'inclusion travaillant sur la base de méthodes innovantes ouverte aux personnes durablement privées d'emploi afin de favoriser leur accès à des places de travail dans des conditions dignes, respectant leur propre potentiel. Ça se fait déjà en partie, en particulier à Genève, puisqu'on a l'agence DRT. Dans toute la Suisse romande, il y a aussi un IPT, l'agence IPT qui existe. Mais là, il y a un besoin, puisqu'on a travaillé avec ces agences. Dans le canton de Vaud, il y a l'agence Mode d'emploi. Dans les autres cantons romands, il n'y a pas grand-chose. Mais on a travaillé avec ces partenaires, IPT, TRT, Mode d'emploi, pour voir un peu aussi plus précisément quelles seraient les innovations nécessaires pour permettre aux personnes privées durablement d'emploi aussi d'accéder à l'emploi. En général, on sélectionne les bons cas et on a plus de peine pour ceux qui rencontrent plus d'obstacles dans leur parcours de vie. Typiquement, aujourd'hui encore, j'étais en discussion avec Jean-Louis Pierangi de TRT. Il me dit, ben voilà, on est en cette période pandémique, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, donc on est extrêmement sollicité. D'abord par l'Office cantonal de l'emploi pour ceux qui sont nouvellement au chômage, qui sont dans cette période du chômage frictionnel, où tout d'un coup, ben, y a besoin du soutien des allocations de chômage pour vivre, mais où on peut très vite rebondir. Donc, l'accent est mis là-dessus, et ce qui fait qu'il y a même moins de moyens auprès des agences existantes pour ouvrir des perspectives pour les personnes qui, elles, sont au chômage de longue durée et qui restent un peu captives de l'assistance. Donc, l'idée est de mobiliser cette dépense passive, un peu à l'image de ce qui se fait en France, qui a été développée à l'initiative d'ATD Quart-Monde, de Caritas France et de diverses organisations, toujours en collaboration avec les territoires. Il ne s'agit pas d'une proposition de Caritas seule. L'idée est petit à petit, bien sûr, de réfléchir avec les autorités publiques, mais en ayant affiné un concept d'innovation qui soit praticable sur le terrain. L'idée est de favoriser d'abord l'emploi inclusif dans les entreprises du marché ordinaire et de s'appuyer de manière subsidiaire sur l'économie sociale et solidaire. Ben ça, c'est un des graves défauts qu'on a vu dans l'expérience française, c'est que c'est devenu, après l'économie sociale et solidaire, très souvent une deuxième économie parallèle qui a peu de sorties du dispositif et qu'un certain nombre de personnes ne recourent pas aux territoires zéro chômeur ou aux entreprises à but d'emploi des territoires zéro chômeur parce qu'ils ont l'impression d'être stigmatisés s'ils ont dans leur parcours le passage par une entreprise dite protégée. Alors, je pense qu'il faut déconstruire ces représentations, mais c'est un fait objectif que c'est un obstacle. Donc, dans notre système, après discussion aussi avec les autorités publiques de différents cantons, on voit que si on n'arrive pas à ouvrir des perspectives pour un certain nombre des demandeurs d'emploi qui le peuvent, qui le veulent et qui ont des compétences qui sont recherchées par les employeurs, eh bien, on n'arrivera jamais à financer aussi d'autres emplois inclusifs qui pourraient se développer, adapter justement aux nouveaux besoins en lien avec l'économie sociale et solidaire, sans stigmatisation pour les personnes et en visant le plus possible des
rémunération digne, le plus proche possible, même dans l'économie sociale et solidaire, des salaires minimums requis dans l'économie ordinaire. Et dans l'économie ordinaire, bien sûr, notre exigence serait que ce soit des salaires ordinaires aussi. Alors, nous avons créé cette nouvelle... Oui, c'est pas nouveau, vous avez juste... ça reste une minute. Oui. Merci, merci alors, beaucoup. Pour travailler sur cette priorité... On a créé cette nouvelle association, Canton Zéro Chômeur. Nous avons déjà présenté la semaine passée la demande à InnoSuisse, comment on introduit une demande auprès du SECO, auprès de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation qui est InnoSuisse. On a obtenu cette subvention. Ce qu'on a proposé, c'est de travailler à partir de la méthode d'intervention sur l'offre et la demande qui est ici résumée. Donc, que vous pourrez découvrir en lisant cette présentation un peu plus tard, parce qu'elle est connue par beaucoup de personnes qui participent ici. Notre objectif, c'est de nous inspirer de cela pour l'améliorer dans notre contexte, parce que c'est aussi une méthode un peu propriétaire, labellisée, et qui pourrait être difficile à employer librement. Et nous avons lancé donc une recherche-action collaborative où nous nous inspirons de la méthode IOD, mais aussi de méthodes promues par l'Institut IRIS, notamment en Suisse romande, de formation en emploi et qui favorise une formation personnalisée en milieu de travail. Nous mettons au point un système de documentation méthodique du travail attendu par les employeurs et des savoir-faire offerts par les candidats à l'emploi. On ne travaille plus du tout avec les CV, mais à partir d'entretiens d'explicitation qui permettent aux demandeurs d'emploi de préciser quels sont leurs savoir-faire pratiques dans les hard skills et soft skills, dans l'ensemble des savoir-faire très concrets qu'ils peuvent offrir aux entreprises. Et nous mettons au point aussi dans cette recherche-action collaborative des formations-actions pour les agents d'insertion ou médiateurs pour l'emploi afin qu'ils manient ces outils au service des candidats à l'emploi et des entreprises. La recherche-action inclut les agences pour l'emploi existantes que j'ai citées, mais inclut aussi des personnes concernées dans le groupe de pilotage auquel je participe. Eh bien, il y a des chômeurs de longue durée qui donnent leur avis tout au long. Il y a des entreprises qui sont souvent représentées par le responsable RH qui orientent la recherche-action et des institutions d'action sociale. La structure, je passe un peu parce que c'est quelque chose qui est un peu d'avenir. Vous voyez que c'est une structure ouverte, ce n'est pas seulement les Caritas. Petit à petit, il y a des cercles qui vont s'ouvrir. Le premier cercle, ben, c'est ceux qui ont une expérience de l'intermédiation vers l'emploi et un réseau d'employeurs. Mais petit à petit, il y a d'autres perspectives d'insertion. Le processus, assez rapidement, l'agence inclusive, donc prospecte auprès des employeurs, les aide, aussi un service aux entreprises, à mieux cerner de manière pragmatiques leurs attentes en termes de tâches et d'activités attendues. Les personnes privées durablement d'emploi peuvent s'adresser librement, ce n'est pas par assignation, à l'agence inclusive qui établit avec elle un profil expérientiel à travers les méthodes dont j'ai déjà parlé. L'agence établit pour la personne en recherche d'emploi les points de convergence avec les tâches et activités attendues par diverses entreprises grâce aux méthodes mises en point dans la recherche-action collaborative. Et puis, il y a des négociations qui se font selon les méthodes dont j'ai expliqué, qui permettent vraiment d'adapter au mieux l'emploi, aussi bien dans l'intérêt de l'entreprise que de la personne demandeuse d'emploi. Et il y a un travail d'accompagnement qui permet surtout de stabiliser la personne dans un emploi fixe pendant un temps, mais pas bien sûr sur la longueur, et de manière subsidiaire et en principe transitoire, un emploi plus adapté à la personne peut être envisagé dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et des innovations créatrices de nouveaux emplois d'utilité publique peuvent aussi être envisagées selon les dynamiques propres à ces secteurs. Là, dans le cadre du MISO, on a vu plein d'initiatives de ce côté-là et c'est vraiment heureux que vous ayez organisé ça. Je vais terminer avec ceci parce que d'autres choses vous trouvez sur le site. Oui, je vous laisse rapidement terminer. Voilà. Merci. Voilà, l'approche classique, souvent, on peut la résumer par former, voire seulement formater, parce qu'on donne peu d'opportunités de formation longue pour insérer, avec des logiques d'activation par assignation. Elles sont résumées
ici. C'est du soutien dans des parcours, alors que l'approche inclusive, c'est un peu une logique inverse. C'est insérer d'abord pour former en emploi avec une démarche volontaire, un accès direct à une vue sur les activités demandées, ça c'est le service souvent qui manque, une approche dynamique en situation d'emploi avec un accompagnement du salarié, une orientation vers l'adaptation de l'emploi, pas seulement de l'adaptation de la personne, des mesures de soutien et de formation personnalisées qu'on est en train de discuter avec différents partenaires aussi, couplées à un conseil en désendettement en lien avec la recherche d'emploi. J'ai cité ici ce que disait Castel à propos des dérives possibles des pratiques d'insertion, c'est qu'elles finissent par masquer une défaillance collective, le manque d'ouverture pour la création d'emplois adaptés en focalisant l'attention sur une défaillance individuelle. Et il s'agit de sortir de ça. Je termine ici avec le simulateur de coûts pour nos discussions avec les différents représentants des États. Nous avons des discussions prévues avec les trois conseillers d'État chargés de la promotion de l'emploi. Nous avons mis au point un simulateur d'économie qui est déjà en ligne, mais qui est en voie d'amélioration, c'est-à-dire pour bien montrer que la logique de la mobilisation de la dépense passive peut être à coût constant, voire plus économique au fur et à mesure qu'il y a des résultats en termes d'accès à l'emploi. Voilà, je terminerai avec ça. Merci beaucoup, M. Fradeau. C'est vrai que les thèmes que vous touchez, pas seulement thèmes, la problématique, ça demande d'avoir beaucoup plus d'états à disposition du temps que nous avons aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura en tout cas la possibilité de pouvoir les rediscuter dans d'autres moments. Du moment qu'on a pris un petit peu de retard, je voulais juste passer aux autres interventions et puis on peut revenir sur des questions posées sur ce projet de Caritas sans autre après les deux présentations qui vont suivre. Donc, sans tarder, je vais présenter M. Yann Grand, qui est sociologue et spécialiste en ressources humaines et qui est aujourd'hui directeur de Genève Rule, sachant que ses intérêts, pour rester sur les thématiques que nous avons abordées jusqu'à là, ça reste toujours l'insertion sociale et professionnelle, la mobilité et les questions sociétales. Je vous laisse la parole, M. Grand. Est-ce que Genève Rule? Oui, toujours. Bonjour à vous, merci beaucoup Sabina. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais partager mon écran pour faire la présentation au sujet de Genève Rule pour ce qui est des champs de la mobilité et de l'insertion. Voilà. Ma présentation s'intitule « Genève Rule dans la transition numérique et écologique » qui sont, je crois, les sujets qui nous occupent cette semaine. Voici le plan de la présentation. L'objectif pour moi est de vous présenter quels sont les défis et opportunités actuelles que rencontre Genève Rule en matière de mobilité et d'insertion. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure le contexte actuel influence nos activités et plus généralement le champ du vélo et de l'insertion socio-professionnelle. Ça sera également pour moi l'occasion de vous présenter les prestations de Genève Rule en lien avec ces deux thématiques. De mon point de vue, il est plus parlant de prendre en compte quelques exemples concrets. J'ai choisi de tenter de vous montrer comment les prestations de Genève Rule peuvent contribuer à certaines problématiques climatiques et de développement durable à travers, dans un premier temps, l'exemple du système de prêt de vélo. Je vais pouvoir mettre en lumière quelques incidences intéressantes sur nos programmes d'insertion. Un autre exemple qui est lié à l'une de nos prestations, qui s'appelle Genève Rule Conseil Emploi, c'est l'enjeu du numérique dans la recherche d'emploi et de formation. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de mettre en évidence les enjeux d'insertion socio-professionnelle liés à la modification de nos activités en lien avec le contexte actuel. Contexte actuel qui est favorable au développement de la mobilité douce, comme vous le savez.
Il y a un faisceau de volonté concordante en faveur de la mobilité douce dans un contexte d'urgence climatique, un contexte aussi sociétal en mutation rapide dans lequel nous consommons différemment et nous nous déplaçons également différemment. Il y a une volonté politique matérialisée dans la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée qui a été votée il y a quelque temps, et une volonté politique d'inciter à l'utilisation des transports publics et des modes doux pour diminuer peu à peu l'usage des transports individuels motorisés. Des nouveaux aménagements cyclables ont été créés pendant la pandémie. Vous avez sur l'image, sur la présentation, une photo d'un de ces nouveaux aménagements. Il y a une demande aussi très forte, une demande qui est en forte croissance pour les vélos, pour les pièces de vélo aussi, particulièrement ces derniers mois. Certains marchands sont en rupture de stock, il y a énormément de vélos électriques et vélos classiques qui ont été vendus ces derniers temps. Au niveau politique également, on se rend compte que dans les municipalités du canton, celles-ci ont des exécutifs qui sont actuellement plutôt favorables au vélo. Vélo qui est souvent présenté comme une des solutions possibles pour réduire l'empreinte carbone du transport. Alors, j'en viens aux prestations de Genève Roule. Donc, l'idée, c'est d'accompagner le report modal vers le vélo, c'est-à-dire de favoriser l'usage du vélo pour les trajets professionnels et non professionnels. Pour ce faire, nous mettons à disposition des cycles de tout type, donc des vélos électriques, des vélos classiques, vélos pour les familles, etc. Ça permet également de faire des essais, d'apprivoiser la route, de se rendre compte que c'est possible aussi de se déplacer à vélo dans le canton. Pour ce qui est de l'accompagnement des entreprises, l'idée, c'est d'accompagner leur transition écologique et les plans de mobilité qui sont déployés à l'intérieur de ces entreprises. Souvent, l'idée, c'est de diminuer les coûts, d'offrir une alternative au transport individuel motorisé. Donc, pour ça, Genève Roule offre un service clé en main avec des flottes de vélos mis à disposition dans les entreprises. Nous essayons aussi de favoriser la multimodalité, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'arriver en Léman Express à un endroit, puis de faire le dernier kilomètre à vélo. Nous offrons également des services aux cyclistes qui ont déjà leur propre vélo, afin de favoriser leur pratique du vélo. Par exemple, des vélos donc parking à vélo, nous offrons des réparations. Nous faisons également la maintenance des pompes publiques que vous avez sans doute vu fleurir sur les territoires de la ville de Genève, et nous offrons également des ateliers de réparation. Parlons un tout petit peu, si vous êtes d'accord, de l'impact de la crise sanitaire sur la mobilité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a modifié notre rapport à la mobilité. Il y a eu donc plus de télétravail, donc moins de déplacements. Et puis, au début de la pandémie, les transports publics ont été considérés comme peu sûrs il y a quelque temps. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas. Mais ce contexte-là a favorisé en fait l'émergence des mouvements en faveur du vélo. La question du vélo électrique, elle est importante. Avec l'équipe de Genève Roule et le comité, ainsi que nos partenaires, nous réfléchissons à cette question-là du stockage et du recyclage des batteries au lithium, qui ont, on le sait, un impact non négligeable sur l'environnement. On y réfléchit, c'est une question qui n'est pas encore résolue. On sait qu'il y a très peu d'émissions carbone qui sont produites en pédalant, mais voilà, pour ce qui est de la production de vélos électriques et pour la question de ces batteries, c'est une autre histoire. Ce que nous avons constaté également, c'est qu'il y avait une demande croissante pour des applications
informatisé du self-service. C'est maintenant très répandu dans l'espace sociétal. Il y a des systèmes de bike sharing, partage de vélo, il y a le car sharing, vous connaissez, je pense, Mobility. Il y a beaucoup d'applications pour tout. Alors, quelles sont les limites et puis quelles sont les implications pour l'insertion? C'est une des questions que nous nous posons dans nos activités quotidiennes. Donc, ce qui est sûr, c'est que le fait de partager des flottes de vélos permet certainement d'optimiser l'utilisation des cycles et d'éviter qu'il y ait des vélos qui dorment dans les caves ou sur la voie publique, ce qui est certainement une bonne chose. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de plus en plus de personnes s'orientent vers l'achat d'un service plutôt que vers l'achat d'un produit, en l'occurrence un vélo. Donc, on est en train de sortir, je pense, partiellement, en tout cas, d'un paradigme de possession vers des modèles de mutualisation des flottes. Voilà pour la mobilité d'entreprise. Donc, juste quelques chiffres. Comme je vous l'ai dit, c'est un service clé en main. Nous avons 1200 vélos sous gestion dans diverses entreprises du canton. Nous faisons pour ces entreprises la logistique lorsqu'un vélo est à réparer, à ramener dans nos ateliers. Nous louons donc ces vélos aux entreprises pour la plupart des contrats. Nous effectuons également les réparations dans nos ateliers. Et puis, parfois, nous faisons des événements au siège de l'entreprise au cours desquels les employés peuvent amener leur vélo et puis nos mécaniciens font des réparations et des diagnostics. Un exemple concret, c'est les vélos de l'Hospice Général qui est un de nos clients. L'Hospice Général dispose d'une grande flotte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette flotte est à disposition des collaborateurs puisqu'il y a des fonctions mobiles, il y a parfois des déplacements à domicile. C'est le cas, par exemple, d'un autre de nos clients qui est l'IMAD, l'Institut de maintien à domicile. Pour notre service logistique, qui s'occupe des transports de cycles, on a opté pour des véhicules qui roulent au gaz. Et puis, notre équipe logistique fait également des contrôles réguliers dans les entreprises. Oups, j'ai passé un petit peu trop vite. Voilà. Le service mécanique, nous avons plus de 20 personnes qui travaillent en mécanique chez Genève Roule dans nos divers ateliers. Nous faisons des entretiens courants, des services annuels, de la customisation de vélos également. Et puis, comme l'ensemble des activités de Genève Roule, c'est surtout un lieu de formation dans lequel nous formons des mécaniciens et nous sommes entreprise formatrice aussi dans ce métier-là. Voilà, vous connaissez sans doute Genève Roule à travers les différents conteneurs qui sont disposés dans le canton. Ça, c'est le modèle initial de Genève Roule qui permettait d'avoir de nombreuses places d'insertion disponibles puisque nous avions une ouverture large avec du personnel présent 7 jours sur 7 pour faire de l'accueil clientèle, des conseils donnés aux clients, de la manutention et puis de l'informatique. Alors, j'espère que je suis encore dans les temps. Je continue alors. Il me semblait opportun de présenter un tout petit peu... Pardon ? Il vous reste 1 minute. 5 minutes ? 1 minute. 1 minute. Alors, il faut que j'accélère un peu. Très bien. Alors, avant 2007, nous avions quelques sites en ville et puis on travaillait beaucoup avec des contrats papier. Dès 2007, on a décidé d'informatiser notre système de prêt de vélo, ce qui a généré la nécessité d'avoir d'autres compétences pour gérer la flotte de vélos. En 2019, nous avons eu de nombreux sites humanisés avec des stations de vélos en libre service et puis l'introduction d'une app qui permet aux clients de tout faire lui-même 24 heures sur 24. Et en 2020, il y a eu l'apparition du système de vélos en libre service. Voilà une photo de Vélo Partage qui est le système cantonal de vélos en libre service. Tout ça a eu des impacts importants
sur nos activités, notamment nos activités d'insertion, puisqu'on est passé du prêt entièrement papier à une gestion informatisée. Il y a eu un nouveau vocabulaire qui a été mis en place. Il y avait la nécessité pour nous de former les personnes à la saisie des contrats. On a justement modernisé nos logiciels de prêt et de location, ce qui a eu des implications sur notre formation interne. Avec l'application donc e-Republic, nous avons continué à avoir des conteneurs ouverts dans différents lieux, dans lesquels le personnel expliquait aux clients comment fonctionnait l'application. Mais aujourd'hui, voilà, on a une transition vers beaucoup moins de métiers d'accueil et plus de métiers mobiles, des métiers de changement de batterie, des vélos électriques sur le terrain, par exemple, ce genre de choses qui nécessitent également d'autres compétences. L'exemple du conseil emploi maintenant, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de notre pratique que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en l'occurrence les compétences informatiques, étaient de plus en plus demandées par les entreprises. Et puis, en donnant donc des conseils en matière de recherche d'emploi à nos bénéficiaires, à nos participants, nous avons intégré en filigrane une formation pragmatique à l'informatique. C'est-à-dire, ben voilà, souvent, on avait des personnes qui utilisaient surtout leur smartphone et beaucoup moins les ordinateurs de bureau pour réaliser leur CV, leur lettre de motivation, ce genre de choses. On s'est rendu compte que c'était nécessaire, en fait, de développer cet aspect-là. Nous avons aussi beaucoup réfléchi à la question de l'adresse email. Maintenant, c'est nécessaire pour tous les services que l'on contracte en ligne d'avoir une adresse email. Donc, on a choisi de fournir cette adresse email à l'ensemble des employés de Genève Roule, qu'ils soient fixes ou en insertion. On peut le déplorer, mais malheureusement, voilà, parfois, la recherche d'emploi, ben, elle nécessite de se connecter à des portails. C'est compliqué parfois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes à acquérir les compétences nécessaires pour être autonomes, pour gérer leur profil en ligne, par exemple. C'est évidemment, je crois, malheureusement, un enjeu d'inégalité. Puis, ben voilà, par notre action, si modeste soit-elle, on essaye de gommer cette inégalité-là. J'essaye d'avancer un tout petit peu vite. Il me reste encore une petite minute. Une petite minute. Très bien, merci. Donc, cette question des compétences informatiques, elle nous a pas mal préoccupés. Comme je l'ai dit, il y a la question des profils en ligne. Les entreprises n'ont pas encore fait, malheureusement, toute cette transition dont parlait Dominique Froidevaux tout à l'heure. Ça reste requis, voilà, d'avoir un CV, de pouvoir se présenter, notamment en visioconférence. Donc, ça fait partie des prestations qu'on offre au sein du Conseil emploi. Comme j'ai dit, voilà, le conseil emploi, qui sont des entretiens en face-à-face avec des personnes qui sont intégrées chez Genève Roule, mais aussi des personnes extérieures, sont des occasions d'obtenir des trucs et astuces sur différents logiciels, par exemple, pour faire des scans, créer des PDF et le reste. On a une approche très pragmatique en la matière. Juste quelques mots sur notre modèle d'insertion. Notre modèle d'insertion est celui d'une entreprise formatrice. Nous avons donc mis en place depuis de nombreuses années déjà un modèle dual avec des personnes en formation qui sont sur le terrain et qui sont accompagnées par ailleurs par le service conseil emploi dans leurs activités quotidiennes. Le télétravail a eu un impact en fait très fort sur nos activités d'insertion. Notamment, on s'est rendu compte que c'était compliqué de faire une formation en fait à distance pour nos bénéficiaires. Et puis, petit à petit, lorsque les encadrants ont repris le travail en présentiel,
c'était plus aisé pour nous de continuer notre travail de formation et d'insertion. Le Conseil emploi, par contre, on a continué d'offrir les prestations, même lorsque nous étions tous en télétravail. Voilà, je vais peut-être juste dire deux mots sur la nécessité d'un suivi coordonné et en réseau. On participe à ce projet qui s'appelle l'Espace Tourbillon, avec d'autres entreprises sociales. Elles sont huit autres entreprises sociales. On réfléchit à de nouveaux modèles d'insertion pour Genève et on participe activement à des groupes de travail en la matière. On fait également partie d'un groupe de suivi des formations pour les personnes en emploi de solidarité qui réunit des partenaires de l'insertion des EDS et qui nous permet en fait de connaître de mieux en mieux les possibilités de formation pour les EDS. Donc, on travaille aussi en étroite collaboration avec les autres partenaires. Voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu. Je suis disponible pour vos questions. Je vous remercie beaucoup, c'est grand. Eh bien, alors, Genève est vraiment dans la mobilité avec ce que vous venez de nous expliquer. Je ne sais pas si Géraldine, ça va pour toi, s'il y avait des questions ou si autrement, je passe d'abord à la dernière intervention et puis nous revenons sur les questions. Oui, merci Sabina, avec plaisir. Nous avons une question de Sandra Villena. Formez-vous des personnes dans la réparation des vélos électriques? Alors oui, tout à fait. On a, oui, comme je l'ai dit, plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent dans nos ateliers. Les vélos électriques, ben, maintenant, ont de l'électronique embarquée quasiment. Et là aussi, il y a la nécessité d'administrer des logiciels pour faire les mises à jour des vélos électriques. Et puis, bien sûr, notre personnel est formé pour ça. Merci beaucoup. Moi, je dirais, s'il y a d'autres questions, on les laisse pour la suite. Et je donnerai sans autre la parole à monsieur Thomas Poutala, président de l'association NoOps, donc contre l'obsolescence programmée. Monsieur Poutala donc est un passionné hein, d'innovation et des nouvelles technologies et milite contre la possibilité de pouvoir réparer les produits. Hein. Nous en avons parlé ce matin. L'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est, M. Poutala, et qu'est-ce que c'est votre association? Je vous remercie. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous pour cette petite brève présentation de notre activité et puis des perspectives que nous concevons dans le domaine de l'emploi, de l'employabilité, mais aussi de l'insertion et de la transition numérique. On a pris cette petite illustration, c'était la première question qu'on m'avait posée à l'époque quand on avait avec l'association déposé plainte contre Apple pour pratique d'obsolescence programmée. Vous vous rappelez probablement que qu'il y avait des téléphones qui se déchargeaient et tout le monde allait en acheter un nouveau. Donc, on m'a dit, mais est-ce que c'est un combat David contre Goliath? Et peut-être que c'est vrai que c'est un peu vrai, c'est David contre Goliath, mais depuis maintenant 3 ans qu'on existe, on voit que les paradigmes sont en train d'évoluer. Tout simplement parce que on parle de plus en plus du réchauffement climatique. La pandémie, elle a bouleversé nos modes de vie, notamment avec l'émergence du télétravail. Et depuis qu'on est tous à distance maintenant, je pense la plupart, eh bien, on a tous été achetés du matériel informatique pour nous équiper avec de meilleurs équipements. Et nous, on voit que dans les 5-6 prochaines années, on va faire face à une avalanche de matériel électronique qui vont arriver et qu'il faudra traiter, et on en reparlera tout à l'heure.
On a également un nouveau paradigme, et moi j'y crois beaucoup, c'est pour ça que je pense que plus les années vont passer, plus le bleu et le rouge vont se confronter, c'est qu'également il y a le pouvoir du consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il a de plus en plus de pouvoir et il demande des produits plus durables et il demande également que ça soit en termes de durée de vie du produit, mais aussi en termes de respect des normes environnementales. Alors, NOOP, c'est une petite association à but non lucratif qui est basée à Genève avec deux petites antennes dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg. Notre mission, c'est de sensibiliser le grand public par rapport à la question de l'obsolescence programmée, de dénoncer les pratiques, on l'a fait, on a fait une plainte contre Apple, de former et de proposer des solutions. Proposer des solutions, c'est aussi proposer des alternatives aux collectivités publiques, mais aussi des textes de loi, notamment dans la révision de la revenance sur les déchets. On a proposé un diagnostic obligatoire des produits avant la mise en déchetterie. Donc, tout simplement, aujourd'hui, c'est un crime d'amener en déchetterie ou d'incinérer un produit qui fonctionne. Et c'est à partir de là que je vais développer tout à l'heure ce que nous proposons sur le canton de Genève. Alors, une petite image à gauche. En gros, à gauche, c'est les pics des recherches Google au moment où Google... au moment où Apple lançait un nouveau produit sur le marché. Donc, comme par hasard, il a été constaté que entre 2008 et 2014, au moment où les nouveaux modèles d'Apple, des smartphones, allaient sur le marché, eh bien, tout le monde avait un problème de lenteur du téléphone. Donc, tout le monde allait chercher sur Google comment faire, mon téléphone ne fonctionne plus, etc. Donc, en gros... c'est à l'appui de ce graphique que nous avons porté plainte en Suisse et que dans différents pays en Europe et aussi aux États-Unis, Apple est en train de négocier la fin en payant de grosses indemnités, la fin des procédures contre la société. Alors, on ne va pas forcément aller dans le détail de la définition de l'obsolescence, mais on peut rencontrer plusieurs types d'obsolescence au niveau d'un produit. Lorsque, par exemple, il y a un défaut technique, donc on est obligé de jeter le produit parce qu'il y a un petit composant qui ne marche plus, ou tout simplement, l'obsolescence indirecte, c'est quand on a un produit, mais on n'a plus le chargeur, donc le produit ne peut plus se charger. Il y a des questions également par rapport à l'incompatibilité de différents appareils. Aujourd'hui, on voit que les smartphones de première génération, donc ils ne peuvent plus capter le signal 2G, donc ces téléphones ne sont plus utilisables en Suisse. Et puis, évidemment, c'est des questions de service après-vente. J'ai mon imprimante qui est tombée en panne la semaine passée. Je téléphone un réparateur à côté de le voisin aux Eaux-Vives, il me dit « Ah ben, c'est 500 francs pour réparer ». Donc voilà, on est confronté à ces questions-là. Est-ce que je balance mon imprimante ou est-ce que j'en achète une nouvelle? Et puis évidemment, ça c'est aussi important, c'est la question de la mode. On veut toujours être à la mode, donc l'iPhone sort, le Samsung dernière génération, donc on le met dans un tiroir et ça ne s'arrête plus. Donc en gros, c'est des techniques d'industriels ou de fabricants qui visent à réduire la durée de vie d'un produit et pour qu'on rachète prématurément un nouvel appareil. Alors, les défis du numérique pour notre association, mais aussi c'est un engagement personnel, c'est un constat personnel, eh bien, ils sont environnementaux. C'est qu'aujourd'hui, pour faire du neuf, on extrait des ressources. Notre planète elle est en train de s'épuiser. On a des minerais rares qui composent ces téléphones. On a des émissions de CO2 qui sont très importantes, surtout lors de la fabrication. On dit qu'un ordinateur neuf émet 24 fois plus de CO2 lorsqu'il se fabrique que lors de l'utilisation. Sans compter l'énergie grise qui est consommée lors du processus de production et de distribution.
Et puis, évidemment, en fin de vie, l'accumulation des déchets avec des graves problèmes de pollution dans des pays aussi en voie de développement. Sur le plan économique, les consommateurs sont pris en otage. Donc, on doit toujours racheter un nouveau matériel, racheter. Et puis, ça, c'est aussi un problème sur certaines filières, notamment sur la filière de l'électronique. Ben, c'est les fabricants et les distributeurs eux-mêmes qui organisent la filière de recyclage. Donc, on y a difficilement accès en tant que tiers. Et puis, ben, justement, puisqu'ils organisent leur propre filière, eh bien, il y a peu de place pour les acteurs du réemploi. Donc, chaque fois qu'on jette, eh bien, on considère que c'est autant d'emplois en moins dans la réparation et dans la valorisation des objets de seconde main. Et puis, sur le plan social, eh bien, évidemment, l'impact sur la santé, dans les zones d'extraction, mais aussi à proximité des décharges. On collabore avec Terre des Hommes, qui anime dans les écoles des ateliers sur le téléphone portable, notamment, mais sur les problèmes éthiques de ces problématiques. Et puis, également, sur l'impact sur le budget des ménages, parce qu'on doit acheter le dernier appareil à Noël, à Nouvel An, pour la grand-mère, les petits, les enfants, etc. Donc, en gros, et nous, c'est ce qu'on met en avant dans cette présentation, mais aussi dans nos interventions, c'est que l'économie linéaire mondialisée, elle a quelques faiblesses. Et quand on parle d'économie linéaire, ben c'est exactement le processus dans lequel on est jusqu'ici. Eh bien, on traite les matières premières, on conçoit, on distribue, on consomme et on met en décharge. C'est pour ça que j'en profite pour faire un plaidoyer pour l'économie circulaire, et on le voit dans ce graphique qui est produit par l'Office fédéral de l'environnement, économie circulaire qui donne des perspectives, qui donne davantage de perspectives aux acteurs du partage d'objets, notamment les bibliothèques d'objets, comme la manivelle sur Genève qui est connue, mais aussi d'autres ateliers, aussi par rapport à la réutilisation de certains objets, donc avec Réalise. Là, on est vraiment dans cette perspective-là, puisque nos collectes, les collectes de smartphones qu'on organise sur le canton de Genève, mais aussi en Suisse romande, ben, sont traitées et valorisées auprès de Réalise. On travaille maintenant sur la réparation pour pouvoir renforcer nos leviers quant à la réparation pour que lorsqu'on a un appareil dernier cri dont la vitre est cassée, eh bien on peut réparer cet objet pour créer de la valeur. Hein. Et puis, voilà, l'axe rénovation, ça nous concerne un peu moins dans le domaine du smartphone, mais dans la construction, c'est très clair. Et puis, évidemment, et là, Bernard Giraud de Serveco, il a aussi beaucoup insisté sur la capacité de former et d'insérer des jeunes ou des chômeurs de longue durée ou des migrants dans des activités de collecte et de recyclage. Donc, en gros, on va peut-être... résumé à travers cette petite slide, ce qu'on fait au niveau sur le canton de Genève, sur un axe précis, un projet concret. Donc, on a un réseau de collecte dans les mairies, les entreprises, les écoles, les SREC, mais on a aussi une boîte de collecte à Mobilitri, sur le réseau de Bernard Giraud. Dans ces lieux de collecte, on collecte des téléphones usagés. On a aussi ce qu'on appelle le système des enveloppes préaffranchies. Donc, pour quelqu'un qui ne pourrait pas se rendre sur le lieu de collecte, eh bien, il nous sollicite une enveloppe qu'on lui remet et on reçoit le téléphone au sein de notre secrétariat. Et puis, alors, le troisième axe, c'est bien sûr l'atelier de valorisation et de reconditionnement chez Réalise. Je crois qu'il y avait Jérôme Despons qui est intervenu. Peut-être qu'il a parlé de ce projet, mais il y en a plein d'autres. Et puis, évidemment, il y a l'activité de coordination, NOOPS, et là, on collabore avec Après Genève et le Centre social protestant.
Donc, tous ces, donc on est un, voilà, on démarre une activité, mais on conçoit bien que cette activité, elle va se développer, et puis elle va pouvoir générer des perspectives pour les personnes qui sont mobilisées. Nous, on est une association, on est un comité de bénévoles, mais voilà, sur les activités logistiques, sur les activités de revalorisation, eh bien, on compte sur des partenaires. Alors ici, on retrouve un peu nos processus clés, processus classique du recyclage. Donc, ce qu'on considère un téléphone obsolète, eh bien, il va à la benne pour pouvoir faire une valorisation matière, ce qu'on appelle le recycleur traditionnel. Et puis, ce qui est important avec Réalise, on développe sur le diagnostic. Ça veut dire que ce qu'on cherche à obtenir, c'est qu'aucun téléphone qui quitte le canton de Genève, ou qui est tous les téléphones, on parle de un téléphone par habitant, hein. Donc en Suisse, il y a 8 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs. À Genève, on est autour des 500-600 000 téléphones. Donc c'est des téléphones qui restent chez les gens. Donc nous, ce qu'on considère qu'il faut ramener les téléphones dans les centres de collecte, justement pour faire ce diagnostic, pour ne pas jeter des téléphones qui marchent encore ou qui ont un potentiel de commercialisation. Ce qu'on appelle le réemploi solidaire, parce qu'on aimerait vraiment que les porteurs du projet, bien sûr les œuvres d'entraide, soient les acteurs aujourd'hui qui sont déjà sur la place et puis qui peuvent finalement nous appuyer dans le processus. Donc ça concerne la logistique, mais ça concerne aussi, quand on voit le processus qui est conduit ici chez Réalise, eh bien, c'est capacité de trier certains téléphones selon leur diagnostic, mais aussi quand on parle de smartphones bloqués, c'est aussi d'alimenter les ateliers de réparation. Aujourd'hui, il y a des ateliers de réparation privés, évidemment, mais voilà, c'est un objectif, c'est de pouvoir sur le téléphone portable avoir une capacité de réparer les téléphones qui sommeillent dans les tiroirs et qui ont un potentiel de valorisation. Et puis évidemment, un lien avec une plateforme en ligne qui vise à revendre des téléphones valorisés. Donc on est vraiment dans un processus de création de valeur à la base d'objets qui ont évidemment une valeur sentimentale pour les gens qui les gardent dans leur tiroir, mais qui n'ont pas de valeur sur le plan technique, parce que justement, ces appareils, ils dorment. Voilà, donc une phrase à retenir, c'est qu'un téléphone reconditionné, c'est un appareil neuf qui ne se fabrique pas, c'est bon pour l'environnement et l'emploi de proximité. Voilà, je crois que je suis à disposition pour vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Putala, pour ça. Alors, le mot d'ordre est ouvrons nos tiroirs, hein, et essayons de remettre en circulation tous nos appareils afin qu'ils ne restent pas là inutilisés. Et nous évitons aussi d'avoir une overproduction qui n'est pas nécessaire. Je passe. Est-ce que Géraldine, il y a des questions concernant Monsieur Putala, autrement des questions qui sont posées aux autres intervenants? Merci Sabina. Oui, nous avons donc rapidement déjà une question pour Monsieur Putala, exactement. Alors, je vais juste, excusez-moi. Donc, Aliki Buayer qui indique qu'il y a des petits magasins de réparation de téléphone. Est-ce qu'ils vous livrent aussi leurs appareils obsolètes? Oui, alors, on est en train de créer un écosystème. Donc, à ce stade, on a plutôt des contacts avec des ateliers qui ont besoin de pièces de réparation. Donc, on est plutôt fournisseur de pièces détachées. Mais évidemment que s'il y a des réparateurs, des ateliers
qui ne savent plus quoi faire de leur téléphone et qui ont besoin de partenariats pour les vendre, on peut collaborer avec eux, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, si ça va pour toi, Sabina, on puisse reprendre les différentes questions des précédents intervenants. Donc, pour la Fondation Mater, voilà, Gina est avec nous, super. Alors, on avait commencé à répondre tout à l'heure à certaines questions, mais c'est vrai qu'on est allé à un rythme assez cadencé. Voilà, alors une question de Zaklina. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles? Alors, on l'est, donc vous pouvez absolument envoyer un email à volunteering@materfondazione.com. Pour l'instant, disons, à la fin de cette semaine, donc à la fin de avril, on ne va plus avoir une cuisine comme on l'avait tout à l'heure, parce que voilà, comme vous le savez, les terrasses, ils ont commencé à rouvrir, donc du coup, il n'y a pas trop de chefs. Par contre, la dernière nouvelle, c'est que apparemment, on va pouvoir continuer effectivement à pouvoir faire quelques repas un peu plus en quantité limitée, et donc du coup, absolument, il y a toujours besoin de bénévolat. Si vous allez dans le website materfondazione.com, vous pouvez voir vraiment le lien email où vous pouvez vous inscrire, en fait. C'est une sorte de newsletter. Et quand il y a les places pour les volontaires, il y a ma collègue Rana qui va vous envoyer un email et vous pouvez vous inscrire. Donc, oui. Parfait, merci beaucoup. Encore pour la Fondation Mater, une question de M. Michel Nicolet. Quelles sont les conditions d'accès aux repas gratuits, s'il y en a? Alors, alors ça, c'est très technique, je ne sais pas. Moi, ce qu'on sait, c'est, on fait partie, les associations sont nos premiers clients, disons. Donc, nous, on fait plutôt partenariat avec des associations comme Hospice Général, comme Croix-Rouge, comme des autres, Caravans sans frontières. Et c'est eux, à leur discrétion, justement, qui vont inviter les individus en soi. Désolé, ma caméra est un peu bizarre. Les individus en soi qui vont faire partie. Au plus de ça, il y aura sûrement des personnes qui vont aussi venir. Mais là, je ne sais pas s'il y a vraiment un critère très pointilleux sur toi tu peux pas, toi tu peux. Oui, en effet, nous aussi, en tant qu'Hospice Général, on a pu gratuitement offrir des repas à des bénéficiaires. On l'a fait quand il y avait encore les cinquièmes jours. Hein, donc, et là, il n'y avait pas un critère de sélection. En effet, la Fondation invite les différentes associations, organisations du canton qui désirent que les bénéficiaires puissent participer à ces repas gratuits. Donc, il suffit de contacter la Fondation. Merci, Sabina, pour ça. Ouais. Alors, je vais encore relayer une dernière question pour Rina de Yann Grand de Genève-Roule. Est-ce qu'il y a des restaurants de la place qui sont déjà prêts à engager les personnes que vous allez former? Alors là, on espère bien, mais on vient de faire l'announcement, de l'ouverture de Refettorio hier. Oh, il y a 2 jours. Donc, du coup, là, c'est vraiment le début de tout. On va ouvrir à la fin de cette année. Et du coup, nous, on n'a pas encore les stages, etc. On est en train maintenant de préparer tout un tas de programmes sociaux, programmes de stage, qu'est-ce qu'on veut, programmes de formation, etc. Ça, bien sûr, qu'on va communiquer aux différents acteurs. Et après, ils vont arriver. Mais ils n'ont pas pré-booker leur place, disons, non, pas encore. Géraldine, est-ce qu'il y a encore oui, une dernière question? Merci.
Alors, nous avons une remarque de Amandine. Alors, je ne sais pas, après, c'est DTA, qui propose donc à la Fondation Mater qu'il serait intéressant de vous rapprocher du mouvement mondial social gastronomie. Oui, donc, alors, ça s'est fait aussi récemment, mais on est aussi partie de la communauté Social Gastronomy Movement, effectivement, où il y a beaucoup d'entités partout par le monde qui s'occupent de nutrition solidaire, disons gastronomie solidaire. Et donc, oui, on fait déjà partie de ça. C'est tout nouveau et c'est le début d'une collaboration, absolument. Extra, merci. Alors, je vais m'adresser à Monsieur Bernard Giraud pour Serbeco. Voilà, donc c'est une question par rapport aux talents que vous, comment vous les détectez et combien de nationalités vous avez auprès du groupe Serbeco. Ok, merci pour la question. Serbeco, au dernier recensement, c'était 17 nationalités différentes. Et puis, la découverte des talents, c'est par la pratique. Donc, comme j'ai dit, les gens, d'abord, ils font du tri manuel, ce sont des chefs de tri. Et ensuite, on s'entretient avec eux. Les contremaîtres organisent des essais sur des différentes machines, plus ou moins grandes. Puis après, on se rend compte tout de suite de l'habileté. Donc, on a un problème souvent de langue. Alors, on donne aussi des cours français, une à deux fois par semaine. Ces cours français, ils sont aussi ouverts à l'ensemble des migrants qui travaillent dans les autres entreprises partenaires de l'employabilité des migrants de l'esprit général. Et puis, les cours, ils se font chez Serbeco, des cours de français. Et puis là, je viens de découvrir qu'on a aussi des cours assez originaux d'expression, de communication par l'expression corporelle, un truc comme ça, qui a aussi démarré et puis qui marche très bien. Donc voilà. C'est par la pratique qu'on découvre les talents. Et il y en a beaucoup de talents. Merci beaucoup. J'ai ensuite une question pour Dominique Froidevaux, pour Caritas, de la part de Monsieur Samy Saroumarou de No Ops. Voilà, il vous demande, Monsieur Dominique Froidevaux, quel est l'élément bloquant pour un changement ou le facteur limitant. Alors, chef, on est un peu moins dans le contexte de la présentation, mais je ne sais pas si peut-être il y a des éléments qui peuvent apporter peut-être en complément. N'hésitez pas à nous interroger. Oui, alors les facteurs limitants pour l'accès à l'emploi, hein, quand les personnes sont privées durablement d'emploi. Hein. Je répète, il existe déjà plein de choses qui sont faites pour les gens qui sont nouvellement au chômage, et heureusement, hein, parce qu'il faut justement éviter que les gens restent durablement éloignés de l'emploi. Mais les facteurs bloquants, très souvent, ben, c'est que on a justement besoin de gens qui remplissent leur CV avec des formations reconnues, etc., qui puissent attester qu'ils n'ont pas eu de rupture dans l'employabilité, etc. Et on voit notamment qu'on lève une partie des facteurs bloquants, y compris les discriminations selon l'âge, le sexe, l'origine, etc., qui sont des facteurs bloquants d'accès à l'emploi, si justement on met en évidence d'abord les talents ou les compétences, mais sous forme non pas de définition abstraite, plus on va vers les notions de compétences générales, comme ça, on est dans l'abstrait, alors que si on détecte des actes concrets, des savoir-faire pratiques qui ont été explicités avec les personnes concernées et qu'on met ça directement en lien avec l'employeur sans même donner de nom, hein, on sait que dans 60% des cas, quand on ne montre pas le CV, où il y a toutes ces caractéristiques d'âge, de couleur de peau, d'éloignement de l'emploi, etc., eh bien, on a 60% de succès, alors que si on montre de gens qui, sinon, n'auraient pas accès à un emploi. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, cet appariement de l'offre et de la demande
par la description des pratiques plutôt que par la description abstraite des diplômes et des compétences. Donc voilà, ça c'est un peu une expérience qui n'est pas faite par Caritas hein, seulement, mais partout on utilise ces méthodes de matching ou d'appariement de l'offre et de la demande. Merci beaucoup pour ces compléments. Je crois qu'on a en tout cas traité toutes les grandes questions relayées par le chat. Voilà. Merci beaucoup Géraldine. Et donc voilà, les mots de la fin. Je voulais remercier beaucoup tous les invités. C'est vrai que nous avons voyagé dans ces paysages très riches genevois. Nous sommes passés de découvrir qu'il y a une cuisine démocratique, comment rendre Genève durable, comment ils peuvent y avoir d'autres modèles pour l'emploi, la mobilité, comment réduire notre impact, empreinte carbone, et puis comment pouvoir réutiliser quels sont nos matériels et comment pouvoir réparer et pas seulement acheter. Donc, merci à tout le monde, aux participants, au public et l'équipe. Je voulais vous laisser avec un petit clin d'œil, une photo. Merci Sandra, si tu peux la... Voilà, c'est une image qui est, nous, qui est aussi 1914, quand au musée RAT a été créé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Agence internationale de recherche des prisonniers de guerre. Pourquoi cette image? Simplement parce que la Fondation Mater nous invite et invite les volontaires et les bénévoles qui ont travaillé durant cette période pour la cuisine démocratique à se retrouver le 8 mai, qui est le jour de la fête de la Croix-Rouge, au musée RAT. Il invite aussi les citoyens parce que nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes là pour continuer et pour rester à être citoyens, à être solidaires et pour mieux vivre ensemble. Rendez-vous au 8 mai et rendez-vous à demain sur la transition numérique. Merci encore à tout le monde. Merci aux intervenants, merci aux participants et une bonne soirée.